paix et joie du Christ à toi qui m'écoutes. Quelle joie d'être réunis en union de cœur, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu. Nous sommes ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous allons prier avec le psaume du jour pour rendre grâce à notre Seigneur pour ce mois d'octobre qui tire à sa fin. Alléluia. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, « Quelle merveille fait pour eux le Seigneur ! Quelle merveille le Seigneur fit pour nous ! Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Seigneur, au terme de ce mois d'octobre, mois du rosaire, avec Notre-Dame du Rosaire, nous voulons te rendre grâce. Pour toutes les grâces reçues, Seigneur, nous voulons te dire merci. Un merci infini, nous voulons chanter. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te rendre la louange, l'adoration, l'exaltation, la bénédiction qui te sont dues, Seigneur? Car tu le mérites, Seigneur. Nous avons déjà fait 10 mois. 10 mois sont écoulés, 10 mois de cette année. Seigneur, comment tu nous as aimés, combien tu as été excellent, grand pour nous, bien et bon pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci et chanter comment ne pas te louer. Seigneur, je veux particulièrement te rendre grâce pour tout ce que tu as fait dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui m'écoutent. Merci, Seigneur, et pour ce que tu feras. Reçois l'action de grâce. Alléluia. Comment ne pas te louer, ô Dieu? Comment ne pas te louer, Seigneur? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer?
mon frère, ma sœur, la bonté du Seigneur est pour toi. La bonté du Seigneur est pour moi. Et cette bonté vaut mieux que la vie. Cette bonté vaut mieux que toute chose. Cette bonté même vaut mieux que la grâce que tu n'as pas reçue et que tu demandais toujours depuis le début de ce mois. Sa bonté vaut mieux que cette grâce. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Je te souhaite de passer une belle journée dans la présence de notre Dieu. Et ne cesse pas de chanter encore la louange du Seigneur, proclamer sa bonté au-dessus de tout. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.